Ces dernières années, le SAFR a mis en place différentes stratégies pour lutter contre la contrefaçon alimentaire. La dernière en date vise à permettre à l'utilisateur final de vérifier par lui-même que le produit qu'il tient dans la main est conforme à ce qu'il a acheté. Pour cela, on s'est inspiré de la blockchain. Alors, je dis inspiré puisqu'on a lancé ça il y a plus de 4 ans et la blockchain n'était encore qu'un concept. Et nous utilisons des solutions propriétaires qui permettent d'eurodater toute l'information de la chaîne de production, du réseau de distribution, jusqu'à l'arrivée chez le consommateur. Afin d'inciter le consommateur à scanner le produit et à vérifier donc que le produit n'est pas contrefait, on a mis en place également un programme de fidélité qui permet aussi d'avoir l'information sur l'utilisateur, sur sa consommation et éventuellement de pouvoir l'alerter en cas de souci que nous pourrions analyser sur le marché.